Thank you.
capono. Je m'appelle Kailele.
génération de mes parents, mon père nous avait interdit, formellement interdit, de nous approcher de notre mère, mes frères et moi. Mes journées étaient faites d'amertume, de douleur, de souffrance. Alors ce matin du 23 septembre, jour de mes 23 années d'existence, je me suis réveillée le sourire aux lèvres, décidée d'être heureuse. J'ai pris une bonne douche, une très bonne douche. J'ai mis ma plus belle robe. Je me suis pomponnée. Et je suis sortie en direction de l'atelier de mon père. Il se situait au bord de la route. Et à quelques mètres de là, était l'étalage de ma mère. Je suis donc sortie, j'ai marché le long du bouton et j'ai dépassé l'étalage de ma mère. J'ai entendu sa voix m'appeler Anifa une première fois, Anifa une deuxième fois, Anifa une troisième fois. Mais je ne me suis pas retournée. Juste parce qu'en face de moi, j'avais mon père qui me fusillait de son regard. Ce jour-là où je célébrais la vie, ce jour-là où je célébrais ma vie, j'ai ignoré celle qui me l'a donnée. En 2010, mon portable est sonné. J'ai décroché et on m'a demandé si je savais qui était à l'appareil. J'ai dit non. Et on m'a dit de passer à la présidence le lendemain. Le lendemain, je suis allé à la présidence. Arrivé à la présidence, c'est un colonel qui m'a reçu. Il m'a installé dans une grande salle. À peine installé, je vis devant moi la silhouette du chef de l'État qui venait vers moi. Il s'est approché de moi et il m'a demandé, à part la comédie, quel métier tu as envie de faire? Je lui ai répondu, je veux travailler dans la fonction publique. Il m'a dit, demain, passe voir madame la directrice des impôts. J'ai dit merci, excellence. Avant de me séparer de lui, il m'a remis 2 millions de francs CFA. Au moment où je partais, le colonel m'a remis le numéro de la directrice des impôts. Je devais l'appeler le même jour. Je l'ai appelé, appel sorti de la présidence. Elle m'a demandé de passer chez elle à la maison. Qu'est-ce? Ouya. À 20h, je me suis pointé là-bas. Il y avait les tuffants dans sa maison. Il y avait d'autres artistes comme Parson Moutité, Feu Albasco et Mon Bruno. Le jour-là, tellement contente, elle voulait danser le rock and roll, la directrice. Aucun artiste à part moi seul savait danser ça. J'ai dansé avec la directrice. Je la touchais comme c'était un bon ami. Avant de partir, elle m'a dit de venir la voir au bureau le lendemain. Je suis allé
Et elle m'a dit, le patron m'a dit de te donner du boulot. Est-ce que tu veux rester chez moi aux impôts ou bien tu veux aller ailleurs? Je lui ai dit de vouloir aller à la douane. J'ai envie de cotiser l'argent à la douane. Il m'a dit, alors va préparer tes dossiers et viens voir ma secrétaire. Avant de quitter la directrice, elle m'a remis 500 000 francs CFA. À peine, Karawita, Sariata, il a mobilisé 2 millions
Junior. Un camarade avec qui j'ai passé le même concours. Monsieur Medili, allô? Mes félicitations. Là, je me suis dit, tout est confirmé et consommé. J'ai regardé ciel et terre. Quel Dieu était descendu? Dieu peut me séguer? Ou Dieu Katamatou? Mon être tressaillit. Une lumière, pas possible, illumina mon corps. C'était une carrière qui débute. Tu m'avais demandé de te mettre au dos. Je ne pouvais pas refuser parce que je te voyais déjà affaibli et épuisé par les bons dieux. Lorsque tu étais à mon dos, j'ai réalisé combien de fois tu avais maigri en rien de temps. Après quelques minutes, sentant endormi, je suis partie te poser sur ton lit. J'ai vaqué à mes occupations et je suis partie m'endormir. Au beau milieu de la nuit, j'entendis des bruits d'éclatement de corps. M'étant levée pour aller d'où venait le bruit, j'ai vu maman qui t'avait tenu dans les bras. Papa courait comme un fou en direction du portail. La seule question que j'ai pu poser, c'est: papa, fiquel il est eu? Grâce. C'est maman qui m'avait juste lancé d'une voix entrecoupée de fermer le portail. Je suis restée dans la nuit noire, voyant leur silhouette disparaître avant de retourner à la maison. Au réveil, lorsque papa est retourné à la maison, nous lui avons demandé comment tu te portais. Mieux, il avait répondu. Et d'ailleurs, vous reviendrez à la maison d'ici peu. Les jours se sont écoulés et l'après-midi où on t'espérait, on avait bien sûr amené ton corps, mais tu étais sans vie et on t'a posé sur ce lit. Thank you.
Ce jour-là, on était revenu du champ. Et dès notre arrivée à la maison, mon homme paternel était déjà là. Après les salutations et autres, il a demandé à mon papa de me faire entrer dans la chambre. Et depuis la chambre, j'ai attendu mon oncle dire, grand frère, on a perdu notre femme. Grand frère, tu as perdu ta femme. Et dès que j'ai appris cela, j'ai attendu cela. J'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai tout fait. Croyant que ma maman chérie, allait revenir en vie. Mais hélas, elle est partie pour toujours. Toi, maman, tu me regardes avec tes yeux doux et brillants. À toi, maman chérie, tu me manques. Dis-moi, maman, parle-moi quand je ferme les yeux dans la nuit et que je vois un bel ange qui chante. Est-ce toi, maman, qui viens me chanter cette douce berceuse de la nuit? Toi, maman chérie, tu me manques, maman. Dis-moi, maman, parle-moi des enfants que tu as laissés derrière toi, chez qui tu les as laissés. Tu nous as quittés sans dire mot. Pourquoi, maman? Réponds-moi, maman. À toi, maman chérie, tu me manques, maman. Dis-moi, maman, parle-moi. Quand les 18 heures sont, que je ne suis pas encore rentré, tu envoies les gens à ma recherche pour venir manger. Maman, tout cela prouve combien de fois tu tiens à moi. Et je te dis aussi que je tiens à toi, maman. Toi, maman chérie, tu me manques, maman. Dis-moi, maman, parle-moi. Quand les jours où le ciel est gris et que les nuages pleurent, est-ce toi, maman, qui pleure toute la peine de ton cœur? Toi, maman chérie, tu me manques, maman.
Dis-moi, maman. Parle-moi. Écoute, maman. Moi, je te parle. Moi, maman, j'ai beaucoup de peine dans mon petit cœur. Tu me manques, maman. Je voudrais tant être avec toi. Pour te serrer dans mes bras. Pour te murmurer tout bas. Je t'aime de moi. À toi, maman chérie. Tu me manques, maman. Possession de nous.
Kodos. Thank you.
morte. Seule la vie qui valait la peine d'être sauvée le sauvera. La vie à l'intérieur de la grotte. Une petite surchauffe de gonade et c'est l'évacuation express vers l'Europe. Que voulez-vous? Une gonade d'aristocrate, c'est la machine à perpétuer l'aristocratie. Une rupture de stock. Peut-être fatal pour le pays tout entier. Si vous êtes désespéré, vous n'avez qu'à faire comme tout le monde. Jetez-vous à la mer et nagez avec toute votre force. On ne sait jamais. Peut-être réjouirez-vous sur une terre où les mots mérite et justice veulent dire quelque chose. Mais vois-tu, ma chère Safi, il arrive parfois qu'une étincelle s'échappe accidentellement de la grotte pour se vire dans le décor. Quand cela arrive, on ne réfléchit pas. On bondit sur elle et on l'attrape avant qu'elle ne rebrousse chemin. La petite étincelle s'est présentée à toi sous la forme d'un ange de la bête. Au lieu d'y voir une manifestation de ton Dieu, tu la laisses filer et maintenant tu viens me parler de Dieu? Tu penses qu'il n'a que toi à satisfaire Dieu?
et du Benjamin. J'ai envie de dire bisé, bisé, bisé. Permettez-moi de remercier ceux qui ont participé à ce que cette soirée soit formidable. Je voudrais commencer par ma gauche. Non, je sais là où se situe mon cœur. Un tonnerre d'applaudissements pour Marlène Petit. L'exercice qu'on a vécu ce soir est monté sous sa direction dans le cadre des cours du master professionnel théâtre d'éducation. Et je voudrais qu'ensemble on lui dise merci et félicitations pour le travail. Désiré. Son rôle en tant que spectateur. Tom Kwani Amaza. Lamboni. Anifa Lubila. Amwa Melonion. Ilon Domifa. Doji, à Fide Gima. Mikem David. Kolani Gado. Félicité. Nami Chukli, Nami Ken. Lare Damien Toti. Saint-Tiche, Agdemehen. Je voudrais sauter le suivant. Je vois ce soir le Manitou des éditions Audi. Merci d'être là. Sabin Sokai. Docteur Anaté. Merci d'être là. Docteur Anibon. Il y a le grand frère Syriac Moussouglo. Merci.
grand frère Nani Petitglo, qui est avec nous. Merci beaucoup. Professeur Apédouama. Et la marraine du master, professeur de théâtre et éducation, professeur Marion Custer. Je suis sûr que j'ai manqué de personnes. Je ne vois pas bien d'artiste ici. Donc, veuillez m'en excuser si je n'ai pas cité quelqu'un. Mais mes amitiés, mes remerciements à tout le monde. Accueillons le professeur Kani Alem. Sur la scène, celle avec qui nous avons démarré ce master théâtre. C'était 2 semaines de séminaires, de formation et d'initiation au théâtre qui ont abouti à un master qui dure depuis presque 2 ans. Dear Marion, would you please come with your roses, because we are, tonight we walk with roses. Maybe we can invent some play with roses. I don't know, a rose is a rose is a rose is a rose. Hello. Je voudrais, c'est juste un exercice de théâtre, mais elle va le faire. Je voudrais lui demander de remercier l'Institut Goethe qui a été notre partenaire du début jusqu'à la fin. Would you please say thanks in German to Mr. Atiogwe? Please. Please come with us here. Maintenant, on va continuer. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que d'avoir un partenaire, surtout dans un domaine aussi difficile que les arts, la formation en art. Le professeur Marion Custer vient d'Allemagne. Elle enseigne le théâtre dans une université allemande et l'Institut Goethe a été très sensible à cette collaboration. Chaque fois que Marion est venue à Lomé, ils ont été à nos côtés, à ses côtés. Et chaque fois que nous avons eu des difficultés pour passer de la salle de cours à la scène, nous les avons trouvées sur notre chemin. Monsieur le directeur, le master professionnel théâtre et éducation tire à sa fin. Je voudrais vous le dire encore une fois devant tout ce public. C'est une restitution et ce n'est pas un spectacle payant. Mais vous avez vu tout ce qu'il a fallu mettre en scène pour donner la vraie illusion du théâtre. Je voudrais vous remercier et vous demander solennellement de ne pas partir très tôt. Restez encore un peu avec nous. Merci. Je me rappelle, il y a quelques années, le professeur Christin était là et l'idée du master professionnel théâtre a été évoquée, théâtre éducation, c'était salutaire. Et je crois hier, nous étions déjà ici pour un spectacle. Et aujourd'hui, c'est la seconde fois. Et le résultat que nous voyons
nous montre que c'était vraiment une belle initiative, c'était une bonne idée. Et je crois que la relève est assurée, je l'ai déjà dit hier, et je suis sûr qu'il y aura d'autres promotions qui vont suivre cette promotion. Et dans la mesure du possible, le Goethe-Institut sera toujours là pour accompagner l'art et la culture. Avec cette promotion commence une belle et longue histoire de renouvellement de la scène théâtrale togolaise. Je vous jure, au nom de tous les professeurs qui ont participé à la formation de cette première promotion, dont certains ont créé des spectacles que vous n'avez pas vus, Tabitha de Legon University a créé sur cette même scène une restitution magnifique sur comment on forme un groupe et comment on crée du jeu. C'était magnifique à voir. Marlène Douty a créé ce spectacle à partir d'un cours avec ces étudiants-là. Je vous assure que gardez vos yeux scotés sur la scène théâtrale togolaise. Les 10 prochaines années à venir vont être turbulentes. So, Mario, now, how can we do? We have to do our best. Yeah. De Rostock, où le professeur Mario Kuster enseigne, sont venus à Lomé travailler avec nos étudiants. Ils ont fait du théâtre interculturel ensemble. C'était magnifique. Et, monsieur le directeur, notre rêve, c'est que cette création, sous la houlette du professeur Marlène Douty, puisse trouver une voie dans les méandres de l'administration allemande pour atterrir sur une scène allemande, disons dans les 6 prochains mois. Dans tous les cas, Marion le veut, nous le voulons et nous y travaillerons pour que cette vitrine puisse être montrée également sur la scène allemande où nous retrouverons les anciens étudiants de l'université de Rostock qui ont été les partenaires de jeu et de cours de nos étudiants. Mesdames et messieurs, le problème avec le théâtre, c'est qu'il faut bien que ça se termine. Je vous assure, il n'y a plus personne dans les coulisses. Tout le monde est ici. Même les gens qui étaient dans le sarcophage, en caoutchouc, sont sortis de leur sarcophage. La force du théâtre, c'est ça. On meurt et on ressuscite. Et on vit avec les vivants et les morts qui sont parmi nous. C'est vous-même qui croyez à ça, non? Ou bien, c'est pas vos ancêtres qui ont dit que les morts ne sont pas morts. Apparemment, il y aurait des morts parmi nous ici. En tout cas, tous ceux qui étaient morts sur la scène sont ressuscités. Et nous en sommes heureux. Je vous remercie pour votre présence ce soir et je vous souhaite une bonne soirée. Directeur pédagogique, je vous mets le micro. J'ai envie de vous donner rendez-vous demain, mais ça ne sera pas le cas. À la prochaine. Bonne soirée.